le rampant, voilà. Un goût aquatique avec le requin et un goût aérien avec l'aigle. Donc ça dépend si tu veux par exemple aller courir. Il te faut de la légèreté. Oh purée. J'ai pas mis le stuff. Tu prends l'aigle. Si t'as prévu de rester en canapé, par exemple, mais que t'as quand même besoin d'énergie pour cligner des yeux et continuer à suivre ta série ou le live, tu prends le serpent. Tu rampes comme ça sur ton pouf. Et si tu vas te laver, tu prends le requin. Shark meilleur pour moi. Plus j'ai très faim. Ouais, je sais pas si je mange du riz ou des pâtes ou de la semoule. Je vais faire un stropole. Attends, je vais faire mieux, je vais faire une roue de la fortune. Mais tu peux prendre ton sable. Alors, Lenny en face. Il est en train de dropper là. Il est en train de dropper, j'espère qu'il a son calyptus. Purée, le skin est bien en vrai. Mais tu sais que c'est pas un skin quand il a 0% reste derrière et 3000 de vie. En vrai, moi j'aime beaucoup l'aquavélateur. Franchement, on aurait pu faire un truc s'ils avaient fait un meilleur up du stuff. Qu'est-ce qui manque à la panneau? Des pourcents raise. Et elle concurrençait directement la panoplie ombre. Après, on est gâté. Hein. Est-ce que je peux vous montrer cette panoplie qu'il a? On est déjà gâté en stuff, j'allais dire. Sept. Voilà, 52 stats, 8 crits. C'est hélas pas suffisant. Mais vu que c'est des items old school, avec du 10 dommages classique et qu'on peut mettre une transe 6 au feu là-dessus, c'est pas trop cher comme optimisation. Alors j'ai quoi? J'ai un upper mage et un crin. Ok, très bien. Alors, ouais, je vais vous attirer ici. On doit se serrer les coudes. Et moi je mets un stimu comme ça. Pareil, hein, là sur le tour j'ai perdu un PA. Deux PA j'ai perdu sur le tour. Ouais, mais en fait, ils nous font quoi, là? Ils nous font une inflation simulator? Hang Hang, on souffre déjà tous les jours dans notre quotidien quand on arrive sur la briquette de lait qui a pris 30% ou sur le beurre qui a pris 50%. Moi, le caddie, je laisse faire Camille, je regarde plus. Hein. Et vous faites pareil avec Lenny? À chaque match, c'est un petit PA par-ci, un petit PA par-là, hop, on retire 50 de puissance sur le Galva. Tiens, la reconce, tu me la mets à 5 et pas à 3. Oui, on a testé à 3, ça marche pas. De quoi? Il y a un nombre entre 4 et 3? Entre 3 et 5? Tu me la mets à 5. Petit à petit, mon personnage, j'ai plus forcément envie de le sortir. Encore moins en PVM. Non, en PVM, Lenny. Je le noie en PVM. Je le tiens sous la dans la bassine. Un Ennu, ça soignera bien mieux. Pas de prise de tête, Ennu. Tu fais une boîte de Pandore, tous tes potes, ils ont plus 10% HP, 8. Un tour sur deux. Bah oui. Alors que Lenny, t'es là, tu dois te déplacer. Tu dois te déplacer pour soigner tes potes. Rendez-moi le mot altruisme, non? Je vais utiliser mon pain. Merci Noek pour le prime. Bien joué en tout cas pour le debuff de l'invi. Bon, forcément, en face, ils n'ont pas trop de chances de win. Hein. Sachant qu'on a du soin, ils n'ont pas d'érosion. En tout cas, ils ne compteront pas éroder parce que le SRAM, s'il veut éroder, c'est avec le fourvoiement. On n'a pas le sort d'érosion niveau 200. Hein. What the French of this spell, le chat? Donc on a du soin, on a du poke, et ils ont un I-190. Et en plus, on a eu le counter du SRAM. Non, franchement... Alors le temps que Lenny joue, on va faire le stropole, enfin le tirage. Riz, semoule, pâte.
J'espère que c'est pâte pour toi, c'est plus simple. Voilà, c'est pâte, super. Turbulent World. Ouais, mais je le massacre en fait. Les dégâts que je lui ai mis. Regardez, O.O. Et mon mode a 120 de soins, 30% all. 4000 de vie, c'est clean, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe, Bart? Il n'y a pas de stuff limiter sans ocre. Sur le 165, je vois. Souvent, s'il n'y a pas d'ocre, tu peux mettre un Volcorn. Et si t'as déjà un Volcorn, bah 11 PA, est-ce que c'est vraiment la mort? Pour l'unitaire. Mais 11 PA, c'est un peu chiant, ouais, pour l'unitaire. J'ai peut-être pas assez été assez open-minded pour les. Pour les 165, je me suis dit, il n'y a que les richoux qui jouent 165. Ocre, Vulbis. Si j'avais pu, je vous aurais mis une crocobure et une cape. Cape corruption. Ça marche, Corny. Marque mortuaire, voilà. Marque mortuaire, on n'a pas la marque mortuaire en 199. Alors, Profanity. On peut pas clean le sacri, donc on va faire une fiole, un distrying. Alors, j'écoute la classe, je suis entré au cast Regaze, plus deuxième sur les 3 que je fais depuis 6 ans, ça marche Akari. Ben, on s'en sort bien. Hein. T'as bien débunk le SRAM, c'est tout ce qu'il fallait faire. Débunk et en plus debuff, oh purée. Upper trop cheat. Lenny est en ligne de vue, je pense que le crap peut lui faire un massacre. Hein. Oui, là, là Lenny ne rejoue pas. Hein. C'est trop bien ça. C'est-à-dire qu'il est instant en ligne. Neuf, quinze. 19. Oh, bien joué la surche. 300 HP sur le sacri. Bon sang. Reigning Hero. Ah, maybe the fiole will gêner mon cra. Oh. T'as pas une flèche concentre? Purée, là, s'il se fait recon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, non, Lenny Arnage a fait le kill. Ouais, c'est dommage qu'on puisse plus regarder les stuff.
Parce que là, est-ce que c'est bénef que j'aille mettre ma fiole pour mettre un turbu distrayant, quoi. Turbu distrayant, à la fin, il me restera 3 PA. Alors que instant, je mets un scalpel. C'est con, tu as un sort qui est fait pour rentabiliser tes spells de zone. Et tu te rends compte bien souvent que, ah bah non, maintenant, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert à rien de faire tes sorts de zone. T'en as deux, et ton combo a perdu. Attendez, il faut que je fasse mes sorts quand même. Ton combo a perdu 2 PA sur les spells de zone, ce qui fait que ta fiole, tu l'oublies. Ouais, c'était bien, tu l'aimais bien, c'était sympa, mais maintenant c'est tout. Bien joué la team. Comme ça, Pokémon, Us qui regarde les streameuses. Bah non, j'ai vu ça sur Twitch. Sur Twitter. Dexerto. Mais de toute façon, j'ai pas besoin de me justifier. T'es qui, toi? Tu regardes pas de streameuses, Hermis Pay? T'es sexiste? Misogyne? Mettez-lui 10 minutes. Il est cool, le PM en vrai. Non? Alors, les abribus, bourgeois, fils de flûte. Finis quoi? Le cra? It can be difficult. Très bien. 7% raise. Putain, mec. C'est normal, il se débride. Il a pas compris. Il comprend pas le débride. HP, il peut pas Ezvita et tuer Rispers. Il tue Rispers, mais on sacrifie HF là, on a la rota. Bien joué la team. J'aime bien cette map. Meilleure map du jeu. Et on n'a pas fait énormément de débridage aujourd'hui. C'est le seul débridage qu'on fait là. Et ça a marché. Par contre, je me suis tapé un Helio débridé tout à l'heure. Waouh. Pas facile. Oui, une question, Victoria. Mars, il y a un EcoCraft. Est-ce que je le prépare? Ouais, je vais essayer de le préparer. S'il me reste assez. Les 50 000 potes, ça tient vraiment pas? Je sais pas. Je sais pas si on peut. Faut une panneau 23 000 pods. Comment ils font les 50 000 pods? Oui, sinon on pourrait pas porter sans gros boulet. Bah ouais, il y en a qui arrivent.
purée, le panda feu, c'est vraiment trop trop bien.